walking 'neath the moonlight. Walking 'neath the moonlight, there was something about this particular night. Was that a man that I didn't see? Was he real or just my fantasy? And then he said, come here, little girl, I've got something that'll rock your world. It will fulfill your needs and desires. It will take you from the cold and it will fill you with fire. Then I looked into the fire in his eyes. It didn't take long and I was hypnotized. And all I could think and wish that it was all a dream. Cause at that moment I heard the angel scream. Saw also clearly that was no ordinary man in front of me. It was the devil himself that I did see. I asked him what he wanted. He said he wanted to hit me. You see, little girl, I've got it. Ah, c'est une marche un peu spéciale, jazzy. Donc, départ pied gauche. Je vous donne deux méthodes à la finale pour les gens qui veulent vraiment pas trop travailler fort. Pied gauche, marche deux pas, ça fait le temps du temps d'être haut, hein. Donc, marche deux pas, je marche 1, 2, 9, 7, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Après ça, je me mets sur place. 1, 2, 3, 4. Place max, 5 arrière, 6 de côté, 7 assemblées mines. Et je fais ça aux 4 murs en Normandie. Je répète 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, je recommence 2, 3 et 4, 5, 6, 7, les balances. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait ça aux 4 murs. Et quand je suis revenu au dernier mur, je fais cette 8, la seconde partie, parce que vous avez quand même la première une partie qui fait les 4 murs. La deuxième séquence, c'est deux parties seulement. Donc, la deuxième partie, c'est marche avant. L'upstep, cha-cha, demi-tour avec un cha-cha, c'est la deuxième partie. Chassez le côté, je vais faire 1 et 2 et 3, toucher. 5, 6, touch et point, 7 et 8. Et j'en recommence ici. Donc, vous avez deux séquences, la première partie, c'est les 4 murs, et la deuxième partie, c'est vraiment la partie finale. Je vais faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3, touché 4, 4, quart de tour 5, 6, touch et point. Si on va le faire touch et point, je fais simplement la règle, on va faire 1 et 2 et 3, 4, 5, 6 sur place, 7, 8. Juste sur place pour partir. Et la finale, je vous ai dit jusqu'au bout de la musique, c'est parce que je n'ai pas travaillé tout à fait la finale, mais la finition, on finit avec les pointés. Hein. Pointé ou pointé de la finale. C'est quand même final. Donc, quand je fais la première partie, ouais, la tenace, quand je fais mes trois murs, mes balances, ça, ce sera la partie finale. 7-8. Ça veut dire que je vais faire la dernière partie, celle-là, la deuxième séquence. Chasser 1 et 2 et 3, 4. La musique est ralentie, je vais faire 1 et 2 et 3, 4. On devrait finir 5, 6 sur place et la tête. Ou si vous continuez, parce que il y a un roulement d'en haut, je peux faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. That's it. That's all. That's it. That's it.